بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment peut-on construire la pyramide des âges à l'aide de l'Excel sous Windows 7 et 10. Donc les démographes, les géographes, les aménageurs et les urbanistes ont souvent besoin de représenter la population d'un pays, d'une région ou d'une ville par la pyramide des âges. Cette dernière nous donne des indications précises sur les tranches d'âge hommes et femmes et le pourcentage qu'elle représente par rapport à la population globale. Donc la pyramide des âges représente la répartition par sexe et âge de la population à un instant donné. Et elle est constituée de deux histogrammes, un pour chaque sexe, donc par convention les hommes à gauche et les femmes à droite, où les effectifs sont portés horizontalement et les âges verticalement. C'est une définition donnée par Pyramide des âges INCE 2016. Comme on peut le voir ici, ici, c'est une pyramide des âges où la partie droite, elle est réservée pour les femmes et la partie gauche qui est en bleu, c'est pour les hommes. Tant pour l'axe des abscisses horizontales, ça nous donne la population, c'est-à-dire le nombre de la population. Et dans l'axe des ordonnées verticales, c'est les tranches d'âge de 0 heure à 4 ans. De 10 ans à 14 ans jusqu'à plus de 100 ans. Alors, il est donc rappelé que la pyramide des âges n'est pas souvent sous forme pyramidale. Tout dépend de la répartition de la production de la population sur les tranches d'âge, dont le nombre est de 21. Alors, chaque tranche représente 5 ans. La pyramide peut être une pyramide telle que, par exemple, le Kenya, le Kenya et l'Angola, taux de natalité et de mortalité élevé, un cylindre quart de la France, donc un équilibre dans les tranches d'âge, un champignon cas du Japon, donc faible natalité et prédominance des quinquagénaires et des sexagénaires, etc. Donc, chaque pays a sa propre pyramide des âges. Alors, par exemple, ici, si on prend le Japon, hein, vous voyez que quand même que la base, elle est très petite, c'est-à-dire que le taux de natalité est assez faible. On voit, c'est 2 674 987. Au fur et à mesure qu'on monte, ça augmente. Mais la tranche des gens qui ont l'âge de 40, 45 et de 50, 50 ans, c'est la prédominante. Vous voyez ici. D'accord? Si on prend le cas, par exemple, de l'Angola, par exemple, prendre l'Angola, hein, vous voyez ici que la pyramide. La base, elle est quand même assez grande, c'est-à-dire que, ou assez large, parce que tout simplement, le taux de natalité est important. Et on voit ici quand même que, au niveau du sommet de la pyramide, le nombre quand même le taux de mortalité est quand même assez élevé. Si on prend maintenant le cas de la France, c'est un peu équilibré, vous voyez, un petit peu, c'est équilibré, hein? Bien que il y a une petite prédominance des gens qui ont l'âge de 55, 50 et 45, mais généralement, c'est équilibré. Donc, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment peut-on arriver à construire cette pyramide des âges à l'aide de l'Excel. Donc après avoir expliqué
Les quelques notions sur la pyramide des âges. Nous allons passer maintenant à la construction du graphique lui-même. Deux tableaux sont nécessaires. Un tableau numéro un réservé pour la saisie des données démographiques. Et l'autre tableau, c'est un tableau qui va nous permettre justement de construire les graphiques. C'est quelque chose, une interface entre le tableau numéro 1 et le graphique. Alors donc nous avons ici, le tableau numéro 1, donc où on a placé dans la première colonne les tranches d'âge, donc de 0,4 ans jusqu'à 100 ans. La catégorie des hommes et puis la catégorie des femmes. Donc nous avons opté pour le pourcentage. Je pense que pour le pourcentage, c'est un peu plus intéressant parce que ça va nous permettre de rendre un petit peu le tableau plus lisible et moins encombrant par rapport au nombre, aux populations, si vous voulez, en chiffres réels. Et donc, ce tableau, ça, c'est un tableau, si vous voulez, tableau numéro 1 bis, hein, et je l'ai utilisé seulement pour des raisons indicatives, c'est tout, hein. Alors, pour le deuxième tableau, c'est exactement le même, il n'y a pas une différence. Seulement au niveau de la colonne B, catégorie des hommes, les taux sont précédés d'un signe moins. Hein, tous les taux. C'est une condition sine qua non pour construire le graphique de la pyramide des âges. Pour les femmes, pour les tranches d'âge, c'est exactement la même chose. Bien. Donc ici, j'ai reporté tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc le tableau numéro 1 et le tableau numéro 1 bis, où il y a la population en millions. Donc toutes ces données-là, je les puisais du site Population de l'Algérie 2017, populationpyramide.net. Donc ce sont des données réelles. Ici, donc pour construire le tableau numéro 2, j'ai placé toutes les étapes ici, étape 1, 2, 3, 4, toutes les étapes sont là. Vous pouvez bien sûr vous reporter à la vidéo et puis vous pouvez la consulter en toute tranquillité. Bien. Alors, on va passer maintenant à la réalisation pratique de cette pyramide. Bien sûr, moi j'ai utilisé les données de l'Algérie parce que parce que tout simplement les données sont disponibles. Et vous pouvez bien sûr utiliser les données d'autres pays, votre pays par exemple, votre ville, et vous pouvez l'appliquer et vous allez avoir. Donc nous allons construire maintenant la pyramide des âges de l'Algérie. Donc toutes ces données-là sont relatives à l'Algérie. Donc ceci aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et j'ai précisé que c'est tiré du site. Donc c'est tiré du site Population de l'Algérie 2017, populationpyramide.net. Donc,
Alors, je vais essayer de, si vous voulez, de produire un graphique qui ressemble exactement à celui-là. Donc, c'est un graphique de la pyramide des âges tiré du site populationpyramide.net. D'accord? Et ça, c'est quand ça concerne l'Algérie, en 2017. Bien. Alors, je vais d'abord sélectionner les en-têtes des colonnes. C'est-à-dire, c'est les champs là, hein, les en-têtes des colonnes. Copier, copier. Puis, je descends. Donc, je vais coller ici. Coller un collage simple, hein. Je vais faire exactement la même chose pour les tranches d'âge. Pied. La même chose ici, donc je dois répéter. Donc il y a, ça n'a pas été bien collé. Donc je vais refaire. Donc copier et puis coller. D'accord? Alors la même chose. Donc je vais copier aussi, coller les femmes. Copier. Cependant, ici, le collage, il est spécial. Collage spécial. Collage spécial. Et coller avec liaison. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, par là, je vais, ou je veux, relier toutes les cellules du tableau numéro 1 aux cellules du tableau numéro 2. C'est les mêmes valeurs, mais si on a envie de changer une valeur ici, hein, si on a changé par exemple en 10 ou 100 par exemple, dans la cellule C2, du moment que c'est la première cellule des femmes, ça se répercute directement ici, dans la première cellule des femmes du tableau numéro 2. La même chose ici, par exemple, je prends C22, je mets 600 par exemple, ou 6000, hein, par exemple, 600 ou 6000 comme vous voulez, hein, 600, on va avoir disons 800. Ça doit directement se répercuter sur cette cellule-là. Donc c'est une liaison, disons, dynamique. Si une des cellules se trouvant dans cette colonne, si une des cellules a changé de valeur, automatiquement, la cellule correspondante change aussi de valeur. Donc on va revenir à nos valeurs initiales. D'accord? On va redonner 5,5, très bien. Donc on va passer aussi à la colonne homme ou catégorie homme. On va copier. Et on va faire exactement la même chose. Collage spécial, hein, collage spécial, puis coller avec liaison. Okay? Coller avec liaison. Okay? C'est exactement la même chose. La même chose si une des cellules se trouvant dans la colonne B vient d'être changée ou modifiée, automatiquement, la cellule correspondante va prendre la même valeur. Très bien. Il nous reste une chose importante, c'est que pour réaliser réellement le graphique, il faut que ces valeurs-là, les valeurs de la catégorie homme, soient négatives. C'est-à-dire qu'il faut placer le signe négatif devant chaque tour. D'accord? Alors pour ce faire, on doit sélectionner la première. Donc on va voir, donc on a cette fenêtre des. Donc on va placer ici, hein, le signe moins ici. Donc nous avons moins B. Donc on va exécuter. Nous avons moins 7, 5,7. Et puis on va sélectionner cette cellule B2 et on va l'appliquer
à toutes les cellules. Et nous aurons donc nous aurons ce résultat-là. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont maintenant négatives. Très bien. Alors que le tableau-là, il est le même. Il est le même. Donc ce tableau va nous servir de tableau de saisie. Quelles que soient les valeurs qui sont introduites ici, surtout le côté homme, elles vont être directement transformées en valeurs négatives. Donc, on n'est pas obligé, si vous voulez, de ch chaque fois de changer la valeur. Donc, ce tableau-là, il va nous servir d'interface entre le graphique et le tableau numéro 1. Donc, vous avez ici toutes les remarques ou toutes les, si vous voulez, les remarques importantes sont indiquées toutes là. Donc, vous pouvez les voir après. Mais un conseil pour que le tableau numéro 2 ne doit pas être touché en aucun cas. Le tableau numéro 2, on ne doit pas le toucher. La saisie se fait dans le tableau ou dans le tableau numéro 1. Et ce tableau ne doit pas être touché en aucun cas. D'accord? Lui, il va changer en fonction des données saisies dans le tableau ici. Et c'est pour cela que je vous conseille de le dissimuler, soit de le colorer en blanc. Et on va le faire tout à l'heure. Alors, deuxième opération, c'est justement de sélectionner le tableau, ce tableau numéro 2, et non pas le tableau numéro 3, un numéro, pardon, 1. C'est le tableau numéro 2 qu'on doit sélectionner. Et puis, on va vers l'onglet Insertion, ensuite vers l'icône Graphique, on va choisir Colonne, et puis, on va cliquer sur les barres empilées. Empiler et OK. Et on a obtenu ici la pyramide des âges. Mais cette pyramide des âges demande des retouches pour qu'elle soit vraiment très lisible et agrémentée. Vous pouvez la cliquer et vous allez avoir exactement la pyramide des âges de la localité choisie. Alors, une fois qu'on a obtenu ce graphique-là, on doit bien sûr l'améliorer cette façon. Donc, d'abord, il est sous forme, le graphique est sous cette forme-là, hein, comme on peut le voir ici, hein, et cette forme, hein, c'est exactement le même. Et puis, on doit supprimer les espaces entre les barres. Donc à ce niveau-là, on doit donc ces espaces-là, on doit les supprimer. D'accord? Alors on doit sélectionner le graphique, un des graphiques, donc le graphique rouge de la catégorie femme. Une boîte de dialogue apparaît qu'on appelle mise en forme des séries des données. Donc ici, on doit mettre un zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervalle du tout. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'espace entre les barres ici. Donc, chose faite. Alors, donc, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, la mise en forme. Et directement, nous obtenons, avec bien sûr la largeur de l'intervalle 0, nous obtenons ce graphique-là. Donc, il faut que l'intervalle soit égal à 0. Bien. La deuxième opération, c'est justement de déplacer cet axe-là des ordonnées, c'est-à-dire des tranches d'âge, vers le côté gauche. On doit le sélectionner et puis on va cliquer sur disposition, ouais, et puis mise en forme de la sélection. Alors ici,
on va, directement voir l'étiquette des axes, et ici, on va choisir bas. Une fois qu'on a choisi bas, vous voyez que l'axe est déplacé vers la gauche. Chose faite, très bien. Ça, c'est les choses les plus importantes qu'on a pu arriver à les faire. Mais on peut bien sûr améliorer davantage le graphique. Bien. Donc ici, vous avez tout ce que nous avons dit et déjà, si vous voulez, bien spécifié. Bien sûr, on peut avoir ce type de pyramide, hein, qui est une pyramide qui est, si vous voulez, bien lisible, hein, et puis elle est un peu agrémentée. Bien sûr, en cliquant d'abord pour, si vous voulez, changer la couleur, hein, la couleur de fond et la couleur du graphique, par exemple, on peut voir la réelle. On peut cliquer sur réaction. Donc on va voir ici. Donc on va voir réaction. Et on va choisir le type de graphique. Type de graphique. Et on va choisir celui-là. D'accord. Alors nous avons obtenu. Alors on va le déplacer un petit peu ici. Oui. Alors nous avons obtenu ce graphique-là. Donc les femmes, c'est en grenat. Et les hommes. Donc, on peut changer, si vous voulez, le fond. Par exemple, ici, on peut changer la couleur des abscisses. On clique et puis on va accueillir et on peut mettre le rouge ici en gras. Rouge en gras. Et puis, on peut agrandir la taille des chiffres. Hein? Vous voyez, on peut agrandir la taille des chiffres. La même chose ici. On peut aussi la même changer la couleur. La couleur, par exemple, la couleur vert. Hein, et puis, en gras. Et on peut encore, si vous voulez, augmenter un petit peu la taille, comme ça. Ouais. On peut changer même le fond, la couleur de fond. Alors, la couleur de fond, on va cliquer deux fois sur le fond. Et on va mettre une couleur, vous voyez, couleur rouge. Ah, si vous voulez, de fond, hein, couleur verte, etc. Donc, on va revenir bien sûr à notre couleur initiale, cette couleur-là. Donc, on peut changer. On peut mettre même le titre ici, hein, le titre là, c'est la disposition, le titre du graphique, en dessous du graphique. On va enlever les titres là, ouais, et on va écrire. Pyramide des âges. Pyramide des âges de l'Algérie. Très bien. On peut même changer la couleur, hein, si vous voulez. Hein, la couleur. Donc, vers l'accueil et on mettre la couleur, par exemple, jaune. Et en gras. Donc, tout est, avec l'Excel, tout est possible. Donc, on a obtenu quand même une pyramide des âges bien présentée et qui ressemble exactement, d'ailleurs, ce n'est pas seulement qu'elle ressemble, mais elle est exactement la même que celle. Simplement, pardon, l'allonger légèrement. Hein, oui, et ça devient exactement la même, hein, la même. Oui, c'est exactement la même qui a été faite par ce site-là, populationpyramide.net. Et donc, il est possible, bien sûr, de saisir n'importe quelle donnée, des données, si vous voulez, de n'importe quel pays ou une ville, mais seulement on doit saisir les données dans le tableau numéro 1. On ne doit pas toucher. Donc,
comme je vous ai dit tout à l'heure, il est peut-être opportun de dissimuler ce tableau, ou carrément, il faut peut-être le colorer en blanc, hein, comme ça, en blanc. Et toutes les informations, on peut bien sûr enlever tout ça, hein, en blanc, y compris le fond ici en blanc. Oui, il n'y a pas plus de couleur. Ouais, tout est blanc, et même on peut même enlever le quadrillage. Show you all the